Bon, ici, on se trouve à la base de l'ancienne descente du Croquet, l'ancienne valeuse du Croquet, bon, qui a disparu il y a quelques années, elle s'est effondrée. Donc, pour accéder dans le secteur, maintenant, il faut emprunter la descente à Tarzan qui se situe un peu au nord. On se trouve là sur les marnes de Bléville, qui font une avancée vers la mer. En fait, cette avancée est un peu en trompe-l'œil. Elle consiste en fait en bancs calcaires ou en plusieurs bancs calcaires qui ont résisté à l'érosion. Donc ceci s'observe à plusieurs endroits sur le littoral, entre le Havre et puis Coville. Notamment, ces avancées, on peut les observer au Cap de la Hève avec les calcaires coquillés. On les observe un peu au sud, là, avec les deux bancs de plomb. Ici où nous sommes, avec le sommet des marnes de Bléville, qui comprend les calcaires pagodes sur ma droite, et les membres supérieurs des marnes de Bléville qu'on peut voir à gauche, jusqu'au sommet du banc double ici. Donc ces avancées, on les retrouve également un peu plus au nord, à Écqueville, où il y a un banc calcaire très dur qui s'avance comme ça un peu. Et également, on en retrouve un dernier au niveau de la descente du Tronquet. Là, on se trouve dans les argiles d'Écqueville, donc vraiment dans le quiméridien supérieur. Donc ici, c'est un endroit assez intéressant pour les paléontologues, car par grand coefficient, même voire supérieur à aujourd'hui, aujourd'hui il y a 110, mais ça peut aller jusqu'à 120, hein, on accède directement au calcaireux pagode, sous ce banc-là constituant le sommet des calcaireux pagodes. Donc on va retrouver essentiellement des moules internes de gastéropodes, de bivalves, mais on trouve également des oursins, des ammonites, la Racenia pseudohomela, la Racenia berrieri, qui sont les plus communes. On trouve des restes de vertébrés aussi, alors souvent isolés, usés. Et bon, tout un tas d'animaux, des petits coraux, on peut trouver du crustacé, un peu toutes sortes de bestioles. C'est vraiment un niveau très riche. D'ailleurs, les calcaires pagodes, avec les calcaires coquillés, qu'on trouve plus au sud, ce sont les deux niveaux les plus riches pour la paléontologie du quiméridien inférieur. La partie supérieure des marnes de Bléville, donc le membre supérieur des marnes de Bléville, c'est son appellation exacte, est moins fossilifère, mais il contient également des fossiles, notamment dans la partie ici qui a été rabotée, qui n'existe plus, le niveau détritique qui se trouve au sommet, et qu'on retrouve à Saint-Andrieux, sur la Flormande de Saint-Andrieux. Donc c'est un niveau où on trouve des petites vertèbres de poissons, des petits os isolés, des gastéropodes roulés, hein, également. Bon, Racenia pseudohomela et Racenia berrieri sont également encore présentes jusqu'au sommet des marnes de Bléville. Hein. Donc ici, le sommet des marnes de Bléville est représenté par deux bancs accolés, sans interlit marneux, alors que à Saint-Andrieux, c'est un peu différent. Le banc le plus épais, le banc du bas, existe bien à Saint-Andrieux. Il est un peu plus épais. Par contre, le banc supérieur, lui, n'est représenté à Saint-Andrieux que par un niveau de discontinu, de nodules, ou un banc assez bioturbé, discontinu également, alors qu'ici, bon, bah, il est bien continu. Donc un morceau de calcaire qui provient des calcaires pagodes. On va trouver des exogyres. Et une section d'ammonite, de Racenia, avec les lignes de suture.
chaque côté, c'est écarté, donc c'est très visible. Et un gros bivalve à côté. Le bivalve a regardé dans sa... Bon, ici, on se trouve un peu plus au sud, entre le Croquet et l'ancienne base de l'OTAN où est implantée l'association Aquaco. Donc, lorsqu'on se déplace vers le sud, on va aller toucher des couches de plus en plus anciennes du Quiméridien. Ici, on se trouve sur les bancs de plomb. Bon, il y a quelques dizaines de minutes, on les voyait encore bien, mais le temps d'arriver, ils sont pratiquement recouverts. Donc, la ligne sombre que l'on observe là, c'est le banc inférieur des bancs de plomb. Ici, il mesure à peu près 80 cm d'épaisseur. Et sur ma gauche, on distingue le banc supérieur. Donc, le banc supérieur ici, il est comme à Saint-Andrieux. Il est dédoublé, mais la partie inférieure du dédoublement n'est pas constituée d'un banc compact de calcaire. C'est un banc plus noduleux. Donc il y a une petite différence, une évolution du dépôt marin. Donc pour les voir correctement, ces bancs-là, il faut quand même un coefficient assez important. Hein, parce qu'aujourd'hui, c'est 110. Bon, la marée basse était à 7h30, donc là, une heure après, ils ont déjà disparu. Donc, venir ici, pour les voir correctement, il faut 115 de coefficient, et 120, c'est encore mieux, on peut vraiment les voir se déployer sur la mer. Donc, c'est les bancs de plomb, c'est une formation peu fossilifère, mais on y trouve cependant de très beaux brachiopodes, des petits Elleria humeralis qui abondent, on peut le dire. Elles se développent souvent dans des petites infractuosités de la surface supérieure qui est bosselée, donc où elles sont regroupées, comme Breton le disait, par bouquets. Donc ça reflète assez bien. Les ammonites sont rares. Par contre, il y a quelques dizaines d'années, on a eu la chance d'en trouver quelques-unes. Donc un exemplaire unique de Pararacenia rupelense, qui avait été déterminé par Hansberg. Une ammonite assez grosse, qui doit faire une bonne quarantaine de centimètres de diamètre. Et des Racenia un peu différentes de la Pseudomela, qu'on rattacherait plutôt à la Racenia simodus. On a trouvé aussi quelques débris de poissons, des palais de Gyrodus, et puis quelques os, mais très, très partiels. Donc en face, à distance, on aperçoit au pied du talus des Boulis une belle couche d'argile grise, quiméridienne également. Mais là, on est dans la partie supérieure des quiméridiens. Partie supérieure qui commence au sommet des marnes de Bléville. Bon, toute la partie basale est inaccessible ici, elle se trouve sous le sable et les galets. Mais par contre, la partie supérieure du membre inférieur des argiles du Croquet est visible, ainsi que la partie supérieure des argiles du Croquet. Donc on va s'en approcher et voir comment il se... Bon, ici, vous avez ce qu'on appelle la formation des argiles du Croquet. On va essentiellement voir le membre supérieur et le sommet du membre inférieur. Sur le développement de toute cette argile et ces bancs, il y a trois niveaux repères principaux. À la base, à peu près 1 mètre, 1,20 mètre au-dessus du galet, on va trouver un niveau à septaria. Des niveaux à gros nodules et à septaria pratiquement continus. Donc qu'on va pouvoir suivre pratiquement horizontalement du sud vers le nord. Au niveau de la descente du Croquet, c'est
L'ancienne descente du Croquet, ces bancs-là vont se situer un peu plus bas, puisque avec le pendage, on va les retrouver plus bas, on va les retrouver entre les galets. Sous ce banc principal à Septaria, on va trouver un autre petit banc qui contient quelques Septaria, mais c'est un banc discontinu. On ira le voir de plus près, on s'en approchera tout à l'heure. Mais ce banc-là ne se développe pas sur une longue distance. C'est-à-dire que là, sur la droite, il va disparaître complètement. Il y a des interruptions par endroits. Et vers le nord, il disparaît également. Donc on ne l'observe que sur une très petite distance. Un deuxième bon niveau repère s'appelle, a été décrit par Sanson et ses co-auteurs, comme le banc noduleux à bivalve. On l'appelle le BNB. Donc ce banc-là se situe sous le banc calcaire du sommet. Au sommet, on distingue bien un banc calcaire continu. Donc sous ce banc calcaire, on aperçoit des aspérités. C'est un banc noduleux dans lequel on trouve des bivalves. Donc on l'a appelé le banc noduleux à bivalve. Le banc sommital calcaire, lorsqu'on se déplace sur la gauche, on va s'apercevoir qu'à peu près à ce niveau-là, il commence à se dédoubler. Et après, il devient triple. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que le banc, la partie supérieure, elle reste en haut de la coupe. On peut la suivre, on s'en approche à tout à l'heure, on peut la suivre très loin. Et après, elle va recommencer à descendre, jusqu'à la descente à Tarzan, par la descente qu'on a empruntée tout à l'heure. Et là, on va le retrouver à la base de la descente. Le banc intermédiaire, qui est très fin, lui, disparaît assez vite. On l'aperçoit que sur quelques mètres. Par contre, le banc inférieur, lui, il va perdurer. On le suit beaucoup plus loin. Et on s'aperçoit qu'il descend dans la coupe. Donc, il ne s'agit pas d'un glissement, il s'agit d'un banc qui est bien en place. Ce banc, il descend sur la coupe. Et on se rend compte que le banc nodulaire à bivalve, qui était sur le banc, sous le banc principal sur la droite, là, lui va suivre le dédoublement inférieur. Et il est constant également. Et ce banc nodulaire à bivalve, on va également. Bon, là, on se situe à la base de la coupe que l'on a vue tout à l'heure, précédemment. On se situe dans le membre inférieur des argiles du Croquet. Donc, le membre inférieur des argiles du Croquet, on va avoir un banc principal à Septaria, un banc très noduleux, des gros nodules, avec des Septaria à l'intérieur. On les distingue assez facilement. Et 70-80 cm en dessous, il y a un petit banc beaucoup moins épais qui contient quelques Septaria. Donc ce banc-là, lui, par contre, il disparaît vers le sud et plus loin vers le nord, il disparaît également. On l'aperçoit encore un peu ici. Donc il est discontinu, hein. Il y a des endroits où il n'y est pas. Là, on voit par exemple. Donc on va voir maintenant ce qui se passe un peu plus haut. Donc on va avoir 6-7 mètres d'argile à peu près, avec intercalé un ou deux lits d'ammonite écrasée et de coquilles. Bon, invisible en ce moment, parce que bon, tout ça c'est de l'éboulis, hein. C'est de l'argile séchée qui a glissé. Par contre au sommet, on va apercevoir un banc noduleux sous le banc continu. On distingue des belles aspérités, c'est le banc noduleux à bivalve. Alors dans la dernière révision de la stratigraphie locale, ce banc marque la limite du membre inférieur des argiles du Croquet. Tout ce qui se situe au-dessus appartient au membre supérieur des argiles du Croquet. Donc ici, c'est très restreint. Il y a 30 cm, le banc noduleux à bivalve disparaît complètement sous l'éboulis. Il vient se coller littéralement au banc calcaire supérieur. Et après, il n'existe plus. On va se déplacer maintenant un peu plus vers le... Donc là, on est vers le sommet des argiles du Croquet. Donc le banc qui était unique, à quelques dizaines de mètres plus au nord. Ici, on voit qu'il se dédouble et qu'il devient même triple ici. Donc, il est triple sur quelques mètres. Et ensuite,
ne subsiste que la partie supérieure et la partie inférieure. La partie supérieure, on va aller la voir, un peu plus encore au nord, et on va voir qu'elle reste pratiquement tout le temps au même niveau. Alors que la partie inférieure, elle va descendre. Donc, à la base, on distingue toujours le banc noduleux à bivalve. Le banc noduleux à bivalve suit, lui aussi, il est là, hein. Il est ici. Il est surmonté par une discontinuité ferrugineuse qui est aussi persistante et que l'on va retrouver à la base de... Bon, ici, on distingue bien le banc inférieur qui descend. Donc, je vais vous les montrer. Le banc inférieur, bon, là, il y a un petit décrochage, hein, mais le banc inférieur est là. Il se continue là. On le suit après, plus loin. Ici, là, on a le petit banc intermédiaire qui arrive à sa fin. Après, il disparaît complètement. Là, on est à la partie terminale. Donc, le petit liseré blanc. Celui-là disparaît. Par contre, le banc supérieur, lui, on va continuer à le trouver au sommet et on l'aperçoit là-haut. Donc ce banc inférieur, là, vers le nord, il va continuer à descendre. On va le retrouver à la base de la coupe. Bon, en se déplaçant toujours vers le nord, là on a fait quelques dizaines de mètres, on s'aperçoit que le banc septaria est toujours présent, toujours à la même hauteur, hein, à peine plus bas. Et on trouve encore le petit banc inférieur à, comme je vous ai dit tout à l'heure, 70-80 cm en dessous. Bon, ce petit banc, il s'est interrompu sur ma droite, là. Il va encore réapparaître un peu plus sur la gauche, mais après, il disparaît complètement. Donc, on voit, c'est un banc noduleux aussi, assez discontinu. Alors, la partie supérieure, malheureusement, ici, elle est masquée par des éboulis. Parce qu'on aurait pu observer, en fait, que le banc inférieur... Alors, les septaria, ici, sont constitués d'une cristallisation centrale de nodules calcaires, marno-calcaires. Donc, c'est une cristallisation... Donc ici, on se situe à peu près au milieu de la plage et on aperçoit un banc calcaire donc, qui est le sommet des marnes de Bléville. Donc à ma droite, on est dans le quiméridien inférieur et à ma gauche, on est dans le quiméridien supérieur. C'est le sommet des deux bancs que l'on voyait tout à l'heure. Bon, maintenant, on vient de parcourir 150 mètres environ. En fait, on a dépassé l'éboulement du Croquet, l'éboulement de l'ancienne descente. Donc, on va retrouver une configuration un peu différente. On va voir moins de choses, tout simplement, parce que la coupe a évolué. Donc, on va toujours retrouver le banc calcaire sommital. Par contre, tout le front, là, même bon, s'il y a des éboulis devant, la coupe a été levée, n'est constitué que d'argile. Le banc sommital dédoublé, la partie inférieure se trouve sous nos pieds, ici. Et encore plus bas, on va retrouver le banc septaria. Le banc septaria, au nord, il passe dans les enrochements sur la plage. Donc, en fait, on constate une accélération du pendage de ces coupes-là. Bon, enfin de... Bon, ici, on se situe à moins de 100 mètres de la descente à Tarzan, donc encore un peu plus au nord que tout à l'heure. Et on va retrouver une configuration encore différente. Mais on va voir que deux bancs continuent, perdurent en fait. Hein. Donc, les deux bancs sommitaux qui se dédoublaient des argiles supérieures du Croquet, le banc supérieur, lui, s'estompe et finit par disparaître. Il a été érodé. Par contre, la ramification inférieure, on la retrouve ici, au sommet, là. Le banc qui est dessous, c'est le banc noduleux à bivalve,
qu'on retrouve presque collé. Et on va trouver un troisième banc qu'on n'a pas vu jusqu'à maintenant parce qu'il est masqué tout le long. Il se situe très bas. Un autre banc calcaire qui est ici, qui est de même nature que le banc supérieur. Un banc assez induré mais marneux. Lui, on va le retrouver à la descente de l'OTAN. C'est-à-dire qu'à la descente de l'OTAN sur le côté gauche, on va trouver en bas les calcaires pagodes. Dessus, on va trouver le membre supérieur des marnes de Bléville. Un peu plus haut, on va trouver le banc Aceptaria. Et au-dessus du banc Aceptaria, à 50-60 cm au-dessus, on va trouver ce banc-là. Donc on retrouve les mêmes niveaux que l'on a vu précédemment, mais de manière très condensée. Donc, les faunes ont été comparées, sont identiques. Donc, la correspondance est assurée. Donc, plus au nord, bon, on va pas aller beaucoup plus au nord. On voit sur la gauche qu'on continue à voir ces trois bancs-là, mais beaucoup plus bas. Et plus on va aller vers le nord, plus ils vont descendre. Au niveau des Queville, ces bancs perdurent, plus ou moins. On va les retrouver sur la plage. À la différence que seul subsistera le banc supérieur. Le banc noduleux bivalve, lui, finit par s'estomper et disparaître. Et le banc inférieur va se coller au banc supérieur. Ils vont ne reformer qu'un, enfin, un dédoublé, puisque le banc supérieur va rester de même nature, le banc inférieur va devenir plus machélique et plus sableux. Mais on les retrouve plus au nord. Donc c'est ce sommet des argiles. Bon, je vais vous faire un petit schéma de tout ce qu'on vient de voir. Donc on va prendre une ligne imaginaire qui représentera le sommet du niveau de galets sur la plage. Bon, ce niveau-là peut évoluer de 3 à 4 mètres vers le haut ou vers le bas. Aujourd'hui, il est là. On va prendre plusieurs points de repère. Saint-Andrieux. Donc c'est l'affleurement qui est bien au sud d'Aquaco. On va mettre la descente de l'OTAN ici, à Quaco. On va mettre le croquet ici. Bon, là je respecte pas les distances exactement. Donc, le croquet, la descente du croquet qui est effondrée, ici. Et ça, la descente à Tarzan, qu'on a emprunté pour venir ici. Donc, là, nous sommes ici. Nous sommes ici. On va reprendre les principaux bancs que l'on a vus. Donc, à Saint-Andrieux et à l'OTAN, vers le bas, on ne va pas parler des calcaires coquillés parce que je ne vous les ai pas montrés. Le plus bas qu'on a vu ce matin, c'était les bancs de plomb. Donc, les bancs de plomb à l'OTAN, ils sont vers le haut de la plage. Entre l'OTAN et le croquet, on a vu, ils descendent comme ça. Enfin, c'est apparent. Ils descendent comme ça. Les bancs de plomb vont remonter plus au sud, ils remontent. Après, ils redescendent, ils refont une cuvette et on les aperçoit au Cap de la Hève. Donc là, on a les bancs de plomb. Alors, une petite particularité. Il y a deux bancs de plomb principaux. Au Cap de la Hève, on les voit, il y a bien deux bancs de plomb. À partir de Dolmar, le banc supérieur va se dédoubler. C'est flagrant. Plus on approche de l'OTAN, plus le dédoublement est net. Et lorsqu'on va arriver sur l'avancée, là qu'on a vu tout à l'heure lorsqu'on était sur la plage, le dédoublement, la partie inférieure du dédoublement, va devenir plus noduleuse, plus bioturbée. Donc elle perd l'aspect du réel banc de plomb. On va prendre
Un deuxième repère au-dessus, les Calcarares Pagodes. Les Calcarares Pagodes, à Saint-Andrieux, ils sont à la base de la coupe. Bon, les chercheurs de fossiles les connaissent bien. Ils ont pioché abondamment dans ces niveaux-là. À l'OTAN, ils se situent plus haut. Au niveau de la descente de l'OTAN, ils se situent du côté gauche et on va le retrouver à 1,50 m, 2 m à peu près de hauteur. Donc là, on voit qu'il y a une petite élévation du niveau. Ensuite, entre l'OTAN et le Croquet, les Calcarares Pagodes vont redescendre et ils vont faire la deuxième avancée qu'on en aperçoit à la descente du Croquet. Donc là, ce sont les calcaires à Arpagode. Troisième niveau repère, le banc Aseptaria. Le banc Aseptaria, à Saint-Andrieux, on l'aperçoit. Il est plus ou moins perturbé, mais on l'aperçoit, il est au-dessus. Le banc Aseptaria, on l'aperçoit ici. À l'OTAN, il est à peine plus haut, comme les Calcarares Pagodes. Et au niveau du Croquet, on va le retrouver sur la plage. C'est-à-dire que le banc Aseptaria, on le suit entre l'OTAN et le Croquet à la base du talus. Et au niveau du Croquet, il est sur la plage. Donc, banc Aseptaria. Un autre niveau calcaire, le banc calcaire, celui qu'il y a en bas ici. À Saint-Andrieux, on ne le voit pas. On l'aperçoit, on commence à l'apercevoir à l'OTAN. Il est juste au-dessus du niveau Aseptaria. Et au niveau de la descente à Tarzan, ce banc-là, on va le retrouver au pied de la descente. Je vous ai dit que nous, on se trouvait ici, entre un peu avant la descente à Tarzan, entre le Croquet et la descente à Tarzan. On se trouve ici. Donc le banc-là, c'est celui qui est sur la coupe-là. Ici, il est masqué par l'éboulement, on ne le voit pas. Bon, je l'ai aperçu à deux endroits, moi, avant que la descente du Croquet descende, mais là, actuellement, on ne le voit que ici et à partir d'ici. Repère suivant, le banc noduleux à bivalve. Alors, le banc noduleux à bivalve, on ne le voit pas à Saint-Andrieux, on ne le voit pas à l'OTAN. On commence à le voir entre l'OTAN et le Croquet. Le banc noduleux à bivalve, en fait, il est collé au banc sommital des argiles du Croquet. Donc ce banc sommital, on va le dessiner pour pouvoir mettre ce qui est en dessous. Donc à l'OTAN, on ne le voit pas. Il commence à apparaître dans ce secteur-là. Donc c'est ce niveau qu'on voit ici. Vers le, là, il recommence à descendre, après il disparaît, il est érodé. Donc ici, le banc sommital, c'est pareil. Donc là, entre les 100 et 100 ans, il est érodé, il disparaît. Ce banc sommital des argiles du Croquet, je vous ai dit tout à l'heure, il se doublait et il se triplait. La partie inférieure, elle forme un monticule. Et elle descend comme ça. Et on va le retrouver ici, au-dessus du banc noduleux à bivalve. La partie intermédiaire, elle s'arrête assez vite. Elle disparaît, ça devient un liseré marneux. Ici, il y a érosion, là, ça disparaît. Alors ce banc-là, par contre, il réapparaît en direction d'Écqueville, sur le haut de la coupe. C'est-à-dire que ce banc-là,
Je n'ai pas encore trouvé exactement la corrélation, mais il est de même nature. On va le retrouver plus au nord, sur une pas très, très grande distance. En fait, sur tous ces niveaux-là reposent les sables ferrugineux aptiens en discordance. Il y a des endroits où il y a de l'érosion. Ici, il y a eu de l'érosion, le banc calcaire disparaît. Et ici, il y a de l'érosion, le banc calcaire disparaît temporairement et réapparaît un peu plus au nord. Le banc noduleux à bivalve, lui, c'est très simple. Il commence ici. Là où j'en suis, où là? Ouais. Le banc noduleux à bivalve, là, on était au niveau calcaire inférieur. Le banc noduleux à bivalve, il va suivre. Comme ça, il commence ici, il bute sur le banc sommital, on le suit ici, on le suit ici, il va tout le temps suivre le dédoublement inférieur, tout le temps suivre le dédoublement inférieur. Et en fait, on va le retrouver entre ce banc-là et ce banc-là, ce banc calcaire-là. Ici, les trois bancs que l'on a ici, ce sont les bancs que l'on voit là. Alors, sur cet ensemble-là, Samson, lui, a décrit le membre inférieur des argiles du Croquet depuis le sommet des marnes de Bléville jusqu'au banc noduleux à bivalve et le membre supérieur des argiles du Croquet du banc noduleux à bivalve jusqu'au banc calcaire sommital. Le problème, c'est que ce banc-là, noduleux à bivalve, il disparaît après. Il commence par s'estomper et après il disparaît, on ne le voit plus. Donc on ne le voit pas sur une très très grande distance. En reprendre un banc qui n'est pas continu comme limite de sous-formation, c'est pas très 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 solide. Surtout que on trouve les mêmes faunes. Hein, les mêmes faunes.